Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon 2.1. Nous allons donc partir. J'ai déjà un itinéraire de fait vers Alexandrinus pour 3 transactions, dites seulement 3 transactions qui cependant prennent quand même 66 emplacements d'inventaire pour une somme totale de 2,4 plus 1,3, ça fait 3,7 plus 1,8, ça fait 5,5 millions crédits. Bon, c'est pas vraiment ce que j'avais espéré, hein, autant vous le dire. Bon, cependant, ça fait toujours cette quantité là. J'ai regardé, vous pouvez voir avec moi rapidement. D'ailleurs, on m'avait conseillé de faire ça aussi, exact. On m'avait conseillé de faire ça aussi, de voir s'il n'y a pas simplement des missions de passage par le système Seos, qui apparemment est un bon système aussi pour augmenter notre réputation et notre réputation. Notre rang, je vais y arriver. Tiens, je vois donner 1 million à la cause de la Fédération Unie. Écoutez, je vous les donne. C'est 1 million, chers amis, c'est certainement une grosse somme. Cependant, vu les millions qu'on se fait, littéralement, c'est pas... Enfin, c'est une grosse somme, certes, mais elle n'est pas complètement perdue, vu qu'on va la retrouver à la fin de l'épisode, littéralement. Donc bon, ça passe. Ok, ici, une livraison à Seos. Vous voyez, là, par contre, livraison de données économiques, 27 000 crédits, c'est rien. New Dawn Station, on va y aller avant. Comme ça, le problème sera véritablement résolu. Hop. Alors, c'est un peu long, cela dit. On va pas augmenter, alors. 86, 87, peut-être. 88 pour 1 million donné, génial. Ok. Ici, nous avons rien à donner à Seos. Récupération illégale, donc non. Ok. Donc, on va passer par Seos rapidement, je pense. Seos. Il y en a pour combien de temps? Dans combien de temps que je donne? 23 heures. Ouais, vaut mieux que je le fasse tout de suite, ce sera fait. New Dawn Station, Seos. On va aller voir ça. Non, il y a moyen de... Ah non, ça va être bientôt, c'est pour bientôt. Aucune donnée. New Dawn Station. Bah écoutez, on va passer par là. Hop. J'ai rien à prendre par là, de ce côté-là. Si, j'ai un petit peu de... Voilà, hop. Parfait, on est bon. Normalement, j'aurais pouvoir me... Je vais faire mon petit saut vers Seos, littéralement, sans avoir à resélectionner la destination, ce qui serait une bonne chose. Ça me permet en fait d'y aller sans avoir à refaire tout le calcul de l'itinéraire. On va essayer de faire ça ensemble. Donc 5,5 millions, donc ça va nous faire 4,5 millions maintenant avec 1 million de dépensé. Mais vous voyez que c'est pas perdu vu qu'on a gagné 2% au niveau du rang militaire. Donc de ce côté-là, moi je n'ai aucun regret sur la perte d'argent. J'ai aussi vérifié quelques petites choses avec ce vaisseau du coup sur le chemin du retour. Et donc plutôt que d'utiliser en fait les propulseurs, vous savez, les différents propulseurs qui permettent de propulser le vaisseau dans différentes destinations, enfin pas destinations mais sur différents axes, il est beaucoup plus pratique celui-ci pour ce vaisseau là, en tout cas de ce que j'en ai remarqué moi personnellement, de simplement utiliser le mouvement du vaisseau et pas seulement sa capacité à se propulser. Simplement. Pour ce qui est des freins, j'ai rien trouvé malheureusement de véritablement efficace. Donc, il va vraiment falloir gérer sa vitesse. Quitte à rester dans la. C'est bon. Quitte à rester dans la. Dans la. Comment, dans la dynamique de la bonne vitesse pour la fin de la dynamique, vous savez, l'accélération suffisante pour avoir le maniement optimal. La manœuvrabilité optimale. C'est ça comme ça. Voilà. Pour ce qui est du cours barbant, c'est fait. Hop, voilà, nous y sommes. Parfait, nous avons une quête dans ce système. Ici. Je fais quand même par principe un petit. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. J'ai pas vendu mes données astronomiques. Enfin, d'exploration, simplement. Hop, on se met dans la région bleue. On se dirige vers la New Dawn Station. Donc le nouveau Dawn. From Dusk till Dawn, c'est ça, hein. Donc techniquement c'est de... Alors... Putain, j'ai un doute.
Ah, j'ai un doute sur Dawn. Merde, comment je peux avoir un doute sur ce mot? J'avais une astuce justement pour m'en souvenir, c'est débile. Alors, Dawn. Hop. On y va. Allons voir ça. Hop, Dawn, c'était Aube, c'est ça. From dusk till dawn, c'est du crépuscule à l'aube. Alors je vais légèrement écarter le micro de ma bouche, parce que j'ai vu que ça saturait légèrement dans mes vidéos maintenant. Parce qu'en fait je l'ai mis très très près à cause d'un setup qui a légèrement changé. J'espère que c'est mieux comme ça, dites-moi dans les commentaires si c'est mieux, si ça sature moins. Normalement oui, faut juste que je me fasse du coup comme j'ai reculé le micro, j'ai peur de me mettre à parler très très fort pour compenser la distance. Bon, j'espère que ça ne sera pas le cas. On verra bien. Alors, parce qu'en fait, faut que je garde le principe de si je vous approchez du micro pour vous parler comme ça, ça passe quand même. Mais, pour vous parler normalement, je peux très bien être à 40 cm du micro normalement. 35. bref, je rigole tout seul. Remarque, c'est pour ça que vous m'aimez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est comme ça. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi certaines des stations sont capables d'être désengagées à longue distance et d'autres pas. Parce que pour le coup là c'est... Est-ce qu'il y a une logique en fait? Est-ce que c'est par rapport à la distance qu'elles sont de l'étoile ou je sais pas? Ah bah bien. Et c'est là, alors là par contre je vais faire un petit écart, je vais vous montrer quelque chose. Ces stations qu'on voit dans les dangereux sont en fait toutes des vaisseaux. On a vu, enfin moi j'ai vu dans certains jeux, comme dans certaines séries, dans certains animes, que les mégastructures étaient construites directement dans l'espace. Compte tenu du poids, en fait, le véritable problème étant leur poids, ils construisaient directement la méga structure dans l'espace, comme ça ils évitaient d'avoir à la lancer. Putain! C'est fait défoncer! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ok, c'est pas la joie, hein, du coup. Voilà. La forme numéro 3 va peut-être être pas loin. Si elle est assez loin. Non, mais tout. Oui, je suis con. 1, 2, 3. Oui, je suis stupide. Je suis stupide. Alors, profitez bien encore une fois des intérieurs des différentes stations, chers amis, ça ne va durera pas. Vous savez que dans la 2.2, les stations ont récupéré, pour la plupart, un style qui lui est propre, correspondant avec son économie. Normalement. Ah, j'en chie. Allez, voilà, c'est bon. Hop. C'est un vide, je crois que c'est bon, on va pas se péter. Ça sert à rien. Hop, on fait le plein pour 10 crédits, c'est vraiment pour faire bouger le pompiste. Et 48,88, attention, ça va changer. Alors ça c'est pas, non, ça va pas changer. C'est pas une grosse... Hop, c'est pas grave. Sotis. J'en ai combien de temps pour la faire celle-ci? Je vais la prendre. Par principe. Par principe. C'est long, dis donc, hein. Hop, c'est... Tac. Ici. Le nom de marchandise, ça m'intéresse pas. Et là, il y a encore ce tisse avec un matériau. Je prends aussi si c'est bien 24 heures aussi. Enfin, 23 heures. Ça revient au même pour moi. Pour moi, ça revient au même. Comme ça, quand je ferai mon retour pour le prochain épisode dans 2 jours, que je tournerai, je pourrai. Ou même si je le fais. Non, justement.
Si je fais mon... Oui, c'est ça. Si je fais mon retour tout à l'heure pour justement être prêt pour le prochain épisode et pas avoir à refaire un trajet débile, j'aurais déjà fait mon retour et j'aurais pu du coup profiter tout à l'heure là d'un petit peu de crédit supplémentaire même. C'est pas épique, c'est plus au niveau de la réputation cependant que ça va être intéressant. Et puis à chaque fois quand même. Hop. Ce serait con de perdre une mission comme ça. Parce que ça impacte sur la réputation, je pense. Hein. Soyons honnêtes. Ça me semble logique. C'est pas pour les crédits que je l'ai fait. Littéralement. Allez, on y va maintenant. Ok, parfait. On y va, on se bouge le cul. On y va, on se bouge le cul. On va se faire quelques millions. Hop. Ou alors, je pensais qu'il est moins lourd, et du coup, le fait qu'il soit moins lourd fait que du coup, on est. Alors, attendez, je vais quand même, hop, par principe. Ah, me dis pas que ça m'a enlevé toute mon. Ah merde, je pensais que ça le garderait. Bon, bah tant pis. Vivement, donc, du coup, les. Les trajets. Ah non, le voilà. C'est chiant ça. Dis donc. Quoi? Qu'est-ce que tu chies? Oh là 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 là. Vivement les trajets personnalisés. Parce que purée, c'est vraiment la vie. Ok, bon. Non. Est-ce que c'est sur la... Est-ce que c'est sur ça que j'ai cliqué? Non, bon, bah alors. Alexandrinus. Hop, c'est bon. Population 30 000 personnes. Petit. Hop, on va là. Établir l'itinéraire. Voilà, c'est bon, on va y arriver, chers amis. Ah, s'il veut bien. C'est ça, c'est bon. Ok. Ah oui. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Si ça c'est pas une bonne nouvelle. Et remarche. C'est bien parce que j'avais lancé du manager. Attendez, on va le faire charger là. Parce que ça le coup du. Voilà. Voilà. Allez. Allez! C'est bon? Archul, Simon! Je suis en excité, ça marche arrière. C'est fou. C'est fou. Ok, bon. On va y arriver. Nom de l'épisode. On verra plus tard. Non, les bonnes, on verra plus tard. Donc, on est en train de monter, c'est parfait. Parce qu'au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos aujourd'hui. Putain, c'est calme. Donc, faut vraiment que je commence les montages en début d'après-midi, là, pour le coup. Si je vais pas me coucher à 5h du matin. Mais bon, je n'ai pas à me plaindre. Vous n'êtes pas là pour m'entendre me plaindre, vous êtes là pour me voir me planter dans un soleil. Ce qui va potentiellement arriver. Là, ça va être bon là ou pas? Calmos niveau température. Calmos niveau température. C'est bon. C'est bon. Ah
là là, ce menu qui va avoir bien, qui va être bien étoffé. L'ASP Explorer, la version civile de l'ASP MK2, en très en service. Ah si c'est bon. En 2878, c'est-à-dire il rentrera dans très longtemps en service. Ayant récupéré les droits de construction, Lacon Spaceway propose l'ASP Explorer aux clients qui cherchent à acquérir leur première zone et sans plusieurs membres. Je suis surpris parce que je viens de commencer à lire en fait. Je suis véritablement surpris là pour le coup là, hein. Je veux pas dire mais... Oui, ça va tout changer de rythme. Hop, c'est bon. C'est vrai qu'il commence à faire chaud donc. Hop, c'est bon. Nécessitant plusieurs membres d'équipage? Ils sont réputés comme des appareils fiables pour les missions furtives et les expéditions au long cours. Pour apporter, ça va se nécessiter au moins une petite plateforme d'atterrissage moyenne. Honnêtement, ça me choque. Enfin, je veux dire, sauf si c'est derrière, remarque. C'est la seule chose que j'envisage, c'est en fait qu'il y ait deux niveaux de... de pont, littéralement. Mais là, là, ça me choque, chers amis. Je vais aller voir, je vais faire un tour, là, je vais voir, là. Alors, hop. Fait. Niveau carburant, c'est pas ça le véritable problème. J'ai besoin de voir un truc là. Parce que là, ça. Non, là, ça m'a choqué. J'ai dû mettre les phares. Bah non. Alors, apparemment, il faut plusieurs membres d'équipage pour piloter le. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Eh ben dis donc, je suis véritablement surpris là pour le coup. J'en ai pas entendu parler du truc là. Oh, le choc. Le choc, le choc, le choc, le choc. Bon, bah pourquoi pas. Combien de sauts restants? 13, ok. Avant le premier. D'accord, je suis d'accord. On dirait... Bon, c'est pas grave, hein. c'est les aléas du métier. Ouais, franchement, là, j'aurais jamais, au contraire, je voyais tous les ASP, que ce soit le scout ou l'explorer, je les voyais. Enfin, si, l'ASP scout, bizarrement, je sais pas pourquoi je le vois, mais c'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi. Je le vois comme un véhicule de transport de troupes. Mais bon, c'est débile. De troupes militaires, hein, je parle, hein, j'entends. Pourquoi? Tout comme le. Comment le. Le... Oh merde! Oh, j'en ai plus! Ah, je vais vous redire le nom du vaisseau. Enfin. Ah! Mais là, là, il y en a. Enfin, pour la SP Scoop, je sais pas pourquoi, mais. Mais ce vaisseau-là, je sais que ça vient de. De Star Wars. Je vous dis ça, je vous dis ça, je vous dis ça. Bah c'est le Diamondback quoi, je crois, pardon. Eux les Diamondbacks, je les prends vraiment pour des transports de troupes aussi. Le l'ASP Explorer un peu moins. Mais le Diamondback c'est clairement pour moi un vaisseau de transport de troupes. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le cas, hein. J'en ai pas. J'en ai pas. Allons voir ce que les gens pensent du Diamondback Explorer. Je serais peut-être surpris. Le Diamondback Explorer est la réponse de Lacon Spaceways aux critiques à propos de la classe des vaisseaux Diamondback d'origine. Dotée d'un châssis plus grand, l'appareil bénéficie d'une capacité d'emport accrue. Vous voyez, c'est les prémices, ça. Ça, le fait que je commence à bouquiner à côté, c'est les prémices d'un crash.
et peut ainsi s'atteler à différents types de missions demandant une plus grande autonomie. Ces modifications lui ont également permis de véritablement devenir le petit frère de l'ASP. À un prix bien plus compétitif, l'Explorer peut endosser les mêmes rôles que d'autres vaisseaux de toute sa classe, mais peut également servir de transport rapide d'appareils de ravitaillement afin d'assurer le soutien d'opérations se déroulant dans des zones hostiles aux confins de l'espace connu. Description du jeu. Et il est vendu 2 millions. Effectivement, c'est 4 fois moins cher que le... ou 3 fois moins cher que le... comment le... l'ASP. Puis, moi, ce que j'aime bien dans ce... enfin, j'ai trouvé rigolo visuellement parce qu'en fait, ils ont deux positions de... Je sais plus si j'ai fait le scan. Deux positions de vol en fait. C'est une position entre guillemets avec les ailes ouvertes. C'est ce qu'on, je crois qu'ils l'appellent l'abeille en vrai. Ça doit être l'abeille dans l'ange truc. La position d'aile ouverte, position d'aile fermée. Et je trouve ça stylé parce que ça va en rapport avec les trains d'atterrissage. Donc c'est vraiment stylé. C'est d'ailleurs un petit peu le cas aussi pour le Beluga. Qui lui aussi doit sortir le train d'atterrissage avant d'entrer dans la station pour rentrer les ailes. C'est fou hein. C'est fou, moi j'adore hein. Alors le problème c'est que je viens de taper dans le volant. Du coup j'ai levé la jambe, ce qui fait que j'ai emmené le pédalier. Ce qui fait que du coup le pédalier a tapé dans le bureau, ce qui a secoué tout le bureau dont l'écran. C'est génial, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Bref. Ok. J'avance pas, dis donc, et je me traîne! Mon dieu! Mais il est clair que là, pour le coup, j'aurais dû améliorer ma capacité. J'aurais dû, effectivement. Je le reconnais. Je le reconnais. Et ça sera fait. Avec une nécessité, de toute façon, de tout ce qui est grind. Et faut vraiment que je m'y mette. Vraiment je me mette à la récupération de matériaux. C'était normalement censé être la base de ce vaisseau hein, la récupération de matériaux. Ok. On remarque, pour ce qui est de l'ASP Explorer, c'est bon, on explore. Écoutez là, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Hop. C'est cool, je regardais Netflix avant, là je me refaisais la première saison de Brooklyn Nine-Nine qui était bien. C'est vraiment une super série, c'est rigolo, tu passes ton temps à rigoler devant. Il y en a jamais un pour rattraper l'autre, enfin, moi ça m'éclaire. De toute façon je vous conseille alors, c'est... Nous, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix. Mais je vous conseille cependant d'acheter Netflix, enfin en tout cas de payer l'abonnement à Netflix. C'est vraiment pas cher. Bon, la qualité est pas tout le temps au rendez-vous, hein, malheureusement, mais alors là, ça vient pas de problème, parce que ça vient pas de Netflix, c'est que ça vient de l'État français, mais bon, l'État français, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ça, malheureusement, de toute façon, je parle pas de parti politique, là, je parle vraiment de l'État, en règle générale, et partenaire, voire même actionnaire, je crois, de Canal+, qui... a aussi son système de streaming de sa VOD streaming quoi. Du coup il parraine plus ou moins entre guillemets Canal Play je crois que ça s'appelle plutôt que d'être bon bref c'est, oui, vous avez compris le principe mais bon il y a quand même quelques perles qui arrivent toujours sur Netflix, c'est toujours sympa soit en termes de séries soit en termes de films, c'est toujours vraiment sympa et honnêtement bah, je passe mon temps à regarder Netflix hein. Quand je ne joue pas, je fais du Netflix, du bouquin, enfin je fais d'autres choses, certes, mais je veux dire, Netflix c'est une très bonne chose à faire hein, quand vous couchez le soir, vous regardez un épisode d'une série, vous rigolez un bon coup, vous couchez avec le sourire sur les lèvres, et puis c'est bon, vous êtes content. Que vous vous mettiez avec votre chérie, hop, une bonne série aussi, ça passe super bien le soir, hop, c'est bon. Bon bah, voilà, donc honnêtement, Netflix c'est vraiment, enfin, le rapport qualité-prix est vraiment très très bien quoi, finalement. Ça pourrait être mieux, mais bon, c'est comme ça. Et rien que pour les séries originales Netflix, honnêtement, foncez-y. Que ce soit les séries Marvel ou les autres séries, je pense à Penny Dreadful, certaines choses. Par exemple. Ou les Six, The Six, The Ridiculous Six. Ça, c'est un super film original Netflix avec Adam Sandler. Bon, c'est pas tout le monde qui aime Adam Sandler. Hein. Enfin, Sandler, moi j'ai Sandler.
Et enfin bref, c'est vraiment vraiment un très très bon service. C'est mon avis, mais le problème c'est que c'est mon avis, mais si je le quand je le partage à mes amis, ils finissent par avoir Netflix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je me ramène chez des gens avec ma tablette et que je mets Netflix en fond pour avoir un fond, vous savez, quand on joue à un jeu de société, avoir un fond de 30 ans, ça me permet de sortir la tête un petit peu du plateau. Et finalement, bah voilà. Il y en a même qui vont jusqu'à racheter la tablette. C'est vrai en plus. Il y en a qui vont jusqu'à acheter la tablette comme la mienne pour pouvoir profiter justement de tout ça, de la qualité du fait qu'on puisse regarder nos séries sur une tablette tranquillement sans avoir forcément à être dans un piège. Je connais des gens dans un appartement qui ont une télé que dans la cuisine. Voilà, on peut être dans ton lit tranquille avec des tablettes, c'était bien. Enfin, voilà, c'est pour le bordel. Voilà, c'est histoire de dire. Hein. Moi je. Après. En plus, le premier mois est gratuit. Histoire de finir la promo. Voilà, c'est dit, c'est bon, on passe à un autre sujet. Le soleil, c'est chaud, oui, effectivement. Après, on va faire un petit plein. Combien de sous restants? 4, génial. Ok. 3, 2, 1. Pleine puissance. Parfait. Oui, t'inquiète pas, ce n'est pas excessivement grave pour le moment. On y va. Hop. Notre compteur affiche toujours 88%. Coupure Alt FD. Full. Excusez-moi, j'ai appuyé sur la touche sans faire exprès. Ma touche espace est très sensible. Nous sommes toujours à 48% et 88%. Hop, on y va. Initialise le saut FSD. Activation HSD. Voilà. Vu que ça marche, après tout. Pourquoi ne pas l'utiliser? Hop. Alors certes, ça va pas être des vidéos extrêmement intéressantes, c'est pour ça que je vous rappelle que vous pouvez commenter vis-à-vis du fait que je passe en accéléré, que je passe simplement la livraison. Je sais que c'est pas forcément les chiffres de compteur par rapport à la vie. Qui vous souhaitez par exemple faire un petit peu de crédit ou monter votre réputation. Je pense que si vous voulez faire les deux en un seul coup, c'était une bonne solution. Et je vais avoir besoin de moins 5-6 runs, au moins pour vous montrer que c'est valable. Donc on reverra ça ensemble, j'en sais pas encore une fois. Hein, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Et j'espère que ça va vous plaire. Le problème, c'est que je pensais qu'avec autant de soute sur nous, on aurait potentiellement... des ennemis à nos trousses pour les skiffs ou ça, et finalement il n'y en a pas. Donc des fois je me demande si je devrais pas par exemple remettre l'ordinateur d'appontage ou ce genre de choses. On verra. 3 sauts vers Alexandrinus, pardon. Nous y sommes presque, en tout cas vers le premier point. Hop, je rebois un coup, je suis désolé, j'ai extrêmement soif. Hop. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire sur la chaîne. Vous voyez, je parle de Netflix. J'aimerais bien justement faire des vidéos sur des séries. Le problème, c'est que j'ai pas la culture entre guillemets pour ce genre de choses. Tout ce que je vais réussir à dire, c'est que j'aime cette série et pourquoi. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire. Mais honnêtement, j'ai pas la culture nécessaire pour en parler. J'ai pas. Voilà. C'est pareil au niveau des bouquins. Moi, j'ai des bouquins que je lis que je trouve géniaux. En plus, le pire, c'est que c'est des bouquins qui sont liés à Internet, à la technologie. Par exemple, le novice de Taran Mataru, je crois que c'est ça. Ça, je me trompe pas. C'est un bouquin qui a été écrit sur, vous savez, les sites d'écriture en ligne en direct. Vous écrivez le bouquin en suivant, enfin, avec des gens qui vous regardent faire et qui vous donnent leur avis, etc., etc., etc. Le mec a réuni 600 000 personnes qui le suivaient au final, au total, dans cette aventure-là. Vous voyez, c'est génial, quoi. Et le bouquin est très très bon. Le bouquin est très très bon. Non, il est bon. Mais, quand vous le lisez au départ, si vous avez un petit peu de connaissances de lecture dans le domaine de l'Heroic Fantasy, vous allez dire, ah tiens, ça a été pompé là, ça ressemble à ça, ce personnage-là, en fait, c'est celui-là dans cette autre saga-là, bref. Et au final, il va vous apporter quand même malgré tout une histoire inédite, et quand vous arrivez à la fin, vous faites, ah non, mais en fait, le bouquin est sorti il y a 15 jours, et du coup, je vais attendre un ou deux ans pour avoir la suite, c'est ça? Merde!
Non, franchement, il y a des tas de choses que j'aimerais faire sur la chaîne, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps, faut que j'écrive. Je remarque, je pourrais écrire pendant que je monte les vidéos classiques, hein, mais... Après, où est-ce que je passe le temps à, entre guillemets, à m'amuser, quoi, si je puis dire. Parce que même si je m'amuse pendant les vidéos, c'est sûr, mais... Il y a des choses que j'aime bien faire aussi en dehors, ne pas être devant le PC par exemple, ou alors être devant un bouquin. On verra. Il y a tellement de choses en suspens sur la chaîne, le serveur, personne ne m'a répondu, du coup j'ai mis ça en pause, je l'admets, hein, j'ai mis ça en pause, c'est vraiment un bon. Je l'ai mis en pause. Le HTC Vive, j'ai les boules parce que j'ai pas forcément les moyens et ça n'a pas. Enfin. Entre guillemets, oui, je peux pas me mettre en péril. Ça va pas forcément me mettre forcément en péril, on sait pas ce qui peut arriver, ça peut peut-être créer un boom au niveau de la chaîne, je sais pas. Mais après il y a le fond vert que j'aurais bien aimé aussi faire. J'aurais bien aimé faire fond vert plus HTC Vive, mais il me faut une caméra du coup. Le fond vert, le tissu vert c'est pas un problème, si l'éclairage ça peut être un problème, quoique j'ai déjà un éclairage qui est pas si mal placé. Mais enfin ouais, il y a plein de choses quoi. Ah bah c'est bon, on est arrivé, je suis con, je me mets dans la bonne direction finalement là. Ok, cool. Du coup je parle. Ok, tant mieux. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui sont en suspens. Ouais. J'ai vraiment envie d'améliorer tout ça. Et... C'est comme l'intro de Starband en dessin animé, j'aimerais beaucoup que ça arrive. Je connais personne qui puisse me faire ça. Et le pire, c'est que j'ai essayé de savoir, par exemple, pour Fantabob, qui avait fait l'intro, et je sais pas. Hein. Pourtant, c'est exactement ce genre de choses-là que j'aimerais, c'est vraiment du dessin animé que j'aimerais... essayer de me procurer, entre guillemets, si je puis dire. Hop, je vais pouvoir arriver devant. Allez! Ah, oh, merde! Je fais tout pour freiner, ça passe pas. Ça passe pas, pourquoi ça passerait pas? Ah là là! Hop, c'est bon. Caboroïg. C'est parti. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien là qu'il y a une mission. Tant mieux. Ok, c'est parti. En fait, qu'on arrive devant la station, pas derrière. Dans le sens inverse des aiguilles. C'est là. Voilà, légèrement. J'ai l'impression que depuis que j'ai rajouté le reshade, j'ai une pixelisation comme si j'avais pas d'anti-crénelage. Ça me choque. Four five, Roger. On y va. Et donc on va prendre l'habitude, chers amis, de sortir notre train d'atterrissage avant l'heure. Oh, je suis bien là. Oh, calmos. Hop, si vous avez le tournis, tapez dans vos mains. Si vous avez le tournis, tapez dans vos mains. Si vous avez le tournis, si vous avez le tournis. Je sais pas pourquoi ça m'a donné l'impression de tourner. Freine, en plus c'est vrai, il n'y a pas de frein sur ce vaisseau. Voilà, j'utilisais les freins des roues sur les petites roulettes. Hop, c'est parti, on descend. Service de station-port. Et là, on va commencer à regarder s'il n'y a pas des missions sur les scènes dans lesquelles on va passer. En tout cas, dans les scènes sur lesquelles on va s'arrêter. Là, ça commencerait à être intéressant. Alors, en l'occurrence, les systèmes sont. Ah, c'est sottise tout ça. Yegorov. G3515. Aimier. Hop, ça c'est fait. Oh mince, on a failli être amis avec eux. Amico. Ah, cordiaux. Oh, cordial. Nez percé. Ah, mais on est déjà allé à Nez percé plusieurs fois. C'est génial. C'est absolument génial.
Ok. C'est atmosphérique, j'en ai pas, je suis désolé, nez percé. Il y a plein de quêtes pour nez percé ici. Medzizdi. Les pesticides, j'en ai pas, je suis désolé. Non. Désolé, j'en ai pas. Ok, j'ai rendu la quête. Oui, donc il n'y a plus qu'à. On va aller dans la carte de la galaxie. Et on va commencer à regarder qui est la plus proche, qui est la plus éloignée. Ben voilà qui répond à la question. Ok. Et la petite ouverture de la carte du système dans lequel nous allons, qui est le système donc Aimei. On va appeler ça comme ça. On va aller à Lloydport. Il se trouve être à 300-400 SL, ça va, c'est pas très loin. Et on est à 1 ou 2 sous, 2 sous, d'accord. C'est parti mon kiki. Demi-tour et puis s'en va. Hop. Je sais comment je vais appeler l'épisode maintenant, placement de produit. Publicité. Le remplacement de produit c'est beaucoup mieux finalement. Hop, je me gratte le nez d'œil. Voilà. Ok. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Ça coûte cher, hein, tout comme le Federal Corvette. D'ailleurs, c'est un bon dit que j'aurais peut-être plutôt m'organiser pour un Anaconda plutôt qu'un Federal Corvette. Sans doute, hein. Avec le Beluga d'abord, hein, si il est viable niveau farm d'argent, ça va être le Beluga. Enfin bon, on verra bien. Et si je n'ai pas d'argent pour l'un ou l'autre, ce sera l'Orca, le pauvre petit Orca. Profitez bien aussi de l'animation de ce saut, puisqu'elle aura changé dans la prochaine mise à jour. Hein. Et j'ai du mal à voir la véritable différence. J'ai combien de temps? J'ai 0 minute? 10 minutes, cool! C'est faisable, je vais me faire une prime! Je vais me faire une prime, chers amis, c'est cool! Attendez, je vais me faire une prime de combien? 75 000 crédits, bon écoutez, on va pas dire non, hein! On ne va pas dire non! 49% en entrepreneur, vous avez vu? Ça monte! Major, on n'a pas augmenté, par contre, on est toujours à 88%. Cependant, on a monté à 49% en entrepreneur, ce qui est une bonne nouvelle. Même si maintenant, ça n'apporte pas vraiment de choses, de lettres, simplement, par contre. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu dommage, on peut peut-être bien mettre un truc là-dessus. Par exemple, une valorisation sur les primes quand vous êtes bon combattant, une valorisation sur le commerce, la vente et l'achat quand vous êtes
rang de commerçant et une valorisation sur, imaginons, sur ouais, la revente des pièces d'exploration, enfin des données d'exploration au niveau de ces trucs là. Bon, pour le QCQ, bien sûr, le CQC, c'est ça? CQC, forcément, j'ai pas d'idée pour le coup, parce que je joue pas du tout le CQC. Certains m'ont dit que c'était bien dommage que je n'y joue pas, parce qu'en fait ça a apporté d'autres mécaniques de gameplay. Et je veux bien les croire, cependant je trouve que c'est trop trop différent. Trop différent, on va dire. Alors. Allez! Pousse, Simone! Faut que je sorte pour pousser. Non, ça va aller. Bon, tant mieux. Ok. Oh, tu vas pas te mettre en face. Hop, c'est bon. Là, c'est bon. Merci. 2-0. Roger. Train d'atterrissage déployé. On va le taper avec la queue, mais on va voir de ça. Un ticket deployed. Voyage break is a crime punishable by death. Make sure that alors. Hop, en douceur. Ok, c'est bon. Là, on va se reprendre 2,4 millions, je crois, de mémoire. Droit dans le pif. Ou 2,8 millions, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai un doute. Je ne sais pas, et je reste planté là. Le jeu me dit de patienter, mais moi, j'ai autre chose à faire après. Alors, verdict. 1,9. Ah, dommage, j'entends la couche. Du coup, nous, on doit regarder maintenant pour un... système qui s'appelle G3515. Pensez-y. G3515, j'ai rien ici. Il est loin, je crois. Rien. Les aider financièrement, mais je n'ai pas envie en fait. Ok, eh ben écoutez, on va aller chercher la dernière mission. Carte de la galaxie. Ok, crac. Hop, carte du système. Ça va, ça pourrait être plus loin. Ça aurait pu être beaucoup plus loin, même d'ailleurs. Ok. On y va. Demi-tour et puis s'en va. On a combien de sauts à réaliser? 3. Ah, j'aurais dit 3. 2. Sinon, j'aurais dit 3. Ok, tant mieux. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai chopé que 3 missions, certes. Quand je les avais. J'avais, vous savez, fait le coup des différents groupes. Enfin, des différents modes de jeu, littéralement. Hop. Ah là là. Ok, ça va pas tarder. Initialise le CFSD. Activation HFD. Ça marche bien. Ça marche même très très bien. Alors, c'est long. Hop. Ok, c'est bon. J'ai pas plus d'infos sur, sur quelque chose à vous lire. Pas d'effet d'actif et ta système est disponible. C'est bien dommage. J'ai même pas profité de cette étape pour justement
analyser des choses. Parce que ce qui est rigolo dans analyser, c'est qu'il y a Isé. Ok, la suite. À pleine puissance, hein, ça se voit pas, mais. Ah, maintenant ça se voit. Mais je ne sais pas véritablement. On saute. Allez. Allons-nous nous faire agresser violemment sans la moindre capacité offensive que nous avons? Ce serait cool. Ce serait carrément cool de réussir à nous enfuir alors que... Mais bon, apparemment, il veut pas le jeu. Mais personne. Ça, on peut essayer aussi de faire du jeu ouvert. Ouais. Je veux bien, mais pas tout seul. Il y a même qui ont commencé à donner des conseils. Par exemple, si je me suis sur le point de me faire défoncer en jeu ouvert, j'ouvre les tiers étages, je fais fin de tâche. Je ne regarde pas. Ça ne considère pas comme un livre. Du coup, ça n'allait pas sur le dessus. Bonne nouvelle. Ah, come on! C'est marqué 9 quelque chose, là c'est marqué 1000 quelque chose. 900 quelque chose, et maintenant c'est marqué 1000 quelque chose. Allez, roule! Enfin, vole! Enfin, pousse! Tout ce que tu veux. Tout! T'es fini entre nous! Non? Bon bah tant pis. Ok, bon. Petit à petit, on s'en approche, hein. C'est plus long que ce que j'imaginais, à vrai dire. Allons-y en douceur, de toute façon, ça sert à rien de nous cracher dans la planète. Bien que je suis sûr que certains adoraient que je me mette à défoncer la lune, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne va pas le faire. Cette accélération est plus que bienvenue, hein, d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Donc, l'épisode s'appellera Placement de produit. Il aura un certain nombre de publicités. Pour aller avec, vous savez, le truc qui fait rager. Ok, bon. Et depuis quelques temps, je sais pas si vous l'avez rendu, si vous en êtes rendu compte, mais j'ai mis suggestion des... la monétisation, je sais pas si vous appréciez ça ou pas. Non ? Pourquoi, tant pis. Je sais même plus de quoi je parlais il y a 2 secondes. C'est chaud. Par contre là ça c'est pas bon. Ah oui, la suggestion des publicités, j'étais en train de chercher un peu par rapport au jeu. Mais bon. Soit. Ça revient au même, c'est pas comme certains autres youtubeurs qui disent j'ai mis ce nom de titre pour que vous puissiez cliquer dessus. Vous vous sentiez forcé de cliquer dessus alors qu'en fait je vais vous flouer. D'accord, bah moi c'est bien de l'admettre. Alors, demi-tour. Forcément, je l'ai loupé. Ok. On va être bien mieux comme ça. Hop. C'est bon. On y est presque. Tenez le coup, chers amis. Tenez le coup, c'est une petite station, ça va aller très très vite. Alors. Et toc, c'est bon. C'est la tête de vous. Oh, je suis déjà venu. Yegor Offring. On en passe pas. Le voilà. On a l'impression de pas être dans le bon sens. Hop. Wow. J'étais un petit peu pas assez large, on va dire. C'est le blanc. Ba 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 ba. Ah, c'est parce que j'ai pas lancé le train d'atterrissage. Hop. Et on est bon. Wouh. Entrez dans l'hangar. Non, fais pas ça. Hop, la suite.
on va rendre la quête et moi je vais faire un demi-tour pour retourner à Sophie une troisième fois dans la journée. C'est la fête, c'est la fête. Et mon cul fait de la trompette. Non, faut peut-être pas exagérer non plus. La vulgarité n'a pas sa place ici. Bon. Ok. Ok, ok. Livraison de 24. Tuyau déchets. C'est parti. Vous êtes la poubelle de l'univers. Cool. Parfait. C'est génial. Ok. Eh ben écoutez. Nous, on va se laisser là, chers amis. Moi, je vais programmer le retour à Citus. Hop. Sotis, pardon. Voilà. Hop. Le faire. Et puis, on se retrouvera dans le prochain épisode directement sur Sotis. Pour que je puisse simplement commencer à continuer à farmer des crédits de manière complètement illégale. Voilà. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour tes aventures. Salut, les gens. Et yop, et vous voyez, je vais avoir 350 000 à donner à Sotis en guise de d'exploration, de données d'exploration. Voilà. Salut et yop.